Salut à tous, c'est Hervé d'Hervé Cuisine. Alors je suis très content de vous retrouver en ce début d'année et je vous propose de commencer avec une recette de crêpes puisque c'est bientôt la chandeleur, mais une recette qui peut se faire tout le long de l'année et nous allons faire des crêpes Suzette aujourd'hui, donc avec une préparation à base d'orange. Tout de suite, les ingrédients pour la recette. Alors vous aurez besoin de 125 g de farine, 300 ml de lait, une pincée de sel, une gousse de vanille, 3 œufs. J'ai ici un peu de rhum, donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Vous pouvez utiliser, si vous n'aimez pas le rhum, de l'extrait de fleur d'oranger ici, ou pourquoi pas donc du rhum ambré, ou encore de la bière. Enfin, on aura besoin de 20 g de sucre et 50 g de beurre. Pour la garniture de nos crêpes Suzette, on aura besoin de 75 g de sucre glace, une belle orange, de l'alcool d'orange ici, donc par exemple Grand Marnier, et du beurre, 125 g. Alors on commence à faire chauffer le lait dans une casserole avec la vanille. Donc vous mettez la gousse fendue en deux. On va porter à ébullition. Voilà, je la fends grossièrement en deux. Je récupère les graines tout à l'heure. Et donc on porte le tout à ébullition. Alors je vais commencer à mettre la farine dans un grand bol. Je vais rajouter également le sucre, la pincée de sel. Voilà, on mélange et on va ajouter les œufs un par un pendant que notre lait est en train de chauffer. Voilà, avec un fouet, vous commencez à mélanger les œufs et la farine. Essayez de prendre de la farine fluide ou de la tamisée hein, pour aider à ne pas avoir de grumeaux. On ajoute le rhum ou donc la fleur d'oranger ou pourquoi pas un peu de bière pour les rendre encore plus légères. Voilà, vous fouettez bien, vous voyez là j'ai déjà quasiment pas de grumeaux donc ça va être parfait. Voilà, vous voyez le lait est en train de chauffer, je vais rajouter le beurre comme ça il va fondre dans le lait. Voilà, dès les premiers frissons dans le lait, je coupe le feu, je couvre et je laisse infuser. Une fois que le lait a tiédi, donc il a bien infusé, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la gousse de vanille déjà, pour commencer. Hop. Voilà, j'en avais mis une et demie. Les petites graines de vanille sont tombées dans le fond. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la rajouter progressivement, en mélangeant bien, donc, à la préparation précédente. Voilà, le fait d'utiliser du lait tiède, ça vous permettra aussi de supprimer les grumeaux. Hein. Et voilà, on a une belle pâte à crêpes avec les petites graines de vanille qui tombent dedans. Donc vanille, rhum, super. Et je vais laisser refroidir la pâte totalement. Donc idéalement, laissez-la une petite heure avant d'attaquer vos crêpes. Allez, c'est parti, on va commencer à faire cuire nos crêpes. Donc vous faites chauffer votre poêle. On va mettre une petite noix de beurre dans le fond. Voilà. Et après, n'hésitez pas, donc soit avec une louche, soit vous transvasez votre pâte à crêpes dans un récipient avec un bec verseur, ce sera plus simple. Et c'est parti, on fait cuire nos crêpes. Voilà, quand les bords commencent à dorer et que votre crêpe se décolle, c'est l'heure. Donc vous allez passer une spatule en dessous et retourner votre crêpe tout simplement. Et voilà, regardez, elles sont super jolies, bien dorées. Allez, comme le veut la tradition, je vais faire sauter ma dernière crêpe. Est-ce que vous êtes prêts? Hop, et voilà, nickel. Voilà, j'ai réalisé tout ça donc avec deux fois la pâte à crêpes que je vous ai montrée. Donc selon la taille de votre poêle, je pense que par fournée, vous pouvez faire à peu près 12 crêpes. Alors, pour préparer la garniture pour nos crêpes Suzette, on va commencer par prélever le zeste d'une orange. Donc vous la rincez, vous la séchez. Et ensuite, hop, vous grattez tout le zeste. Voilà. Hop, vous récupérez bien tout. Ensuite, je vais rajouter le sucre glace et le beurre à température. Donc le beurre, il faut qu'il soit un peu mou, hein, voilà, qu'il se travaille bien.
Voilà, vous prenez 4 crêpes pour commencer. On met à chaque fois une cuillère à café de beurre sucré à l'orange. Voilà, que vous répartissez dans la crêpe, comme ceci. On replie en deux. Et encore en deux. Donc voilà, pour avoir. On veut reconstituer une crêpe avec 4 crêpes en fait. Hein, mais fourré. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc, dans une grande poêle à présent, je vais faire fondre une petite noix de beurre. Voilà. Et je vais venir, donc je vais augmenter un peu la température, et je vais venir disposer mes 4 crêpes pour bien les réchauffer et faire fondre notre beurre à l'intérieur. N'oubliez pas, donc le beurre à l'intérieur, avec les zestes d'orange et le sucre. Ça va fondre, ça va être super bon. Voilà, on fait bien chauffer sans trop dessécher. Et pendant ce temps, dans une casserole juste ici, je vais faire chauffer l'alcool. Donc voilà, l'alcool que l'on va ensuite enflammer sur les crêpes. Voilà, l'alcool est bien chaud. Je le verse sur les crêpes dans la poêle. Et je flambe. Attention de ne pas vous brûler. À ce moment-là. Et voilà, vous pouvez à présent servir vos crêpes, elles sont bien chaudes. L'intérieur est bien fondant, c'est super mignon. Voilà, pour servir, vous pouvez râper bien sûr un peu de zeste d'orange par-dessus et déguster ça bien chaud. Et bien voilà, donc il existe beaucoup de recettes de crêpes Suzette. Voici aujourd'hui ma façon. J'espère que vous la testerez et que vous me direz ce que vous en pensez tout simplement. Je vous souhaite un très bon appétit, bonne chandeleur et puis faites des crêpes. A bientôt, salut !